PEGI 18. Certains spectateurs pourront trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Re-coucou, êtes-vous prêts? C'est parti. Alors, je vais rapidement recharger vite fait mes armes. Comme ça me débarrasse un petit peu de place dans l'inventaire, si bien sûr j'ai cette possibilité. Ah ça, c'est une arme qui me sert plus à grand chose. Donc, attends, est-ce que j'ai le pistolet? Non, je l'ai abandonné à quelque part. Le pauvre. On va reprendre l'arbalète, hein. L'arbalète, ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal de munitions. Donc là, ça sert à rien de tirer derrière le grillage. Je croyais que c'était. C'était quoi que j'ai récupéré? J'ai même pas fait gaffe. Ouais, bon, bah, gardez le fusil à pompe. Au cas où il voudrait péter un plomb. Il s'en fout, hein. Ah, du Choco Pops. C'est ma petite boisson. Qui va me permettre de rester en vie, hein. Encore des flèches. Moi, finalement, je privilégie l'arbalète. C'est bien ça. Bon, je vais monter un peu en haut, histoire de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Attendez, je change juste de place. C'est bon, je suis mieux là. Installé. Alors, oh, c'est quoi ça? Une bouteille. Ça, franchement, j'en ai même pas l'utilité depuis tout à l'heure de faire des diversions avec. Je m'en fiche. Ça me fait plaisir. Au moins, on a des vivres. Ah, purée, ils auraient pu me les mettre dans le train. Hein. Je suis sûr qu'il y a un zombie qui va sortir des chiottes. Tu vois, regarde. Coucou! Il y en a un autre qui pisse. Plutôt, elle fait pipi. Elle faisait pipi. C'est quoi ça là-dedans là? Ah non, ça c'est la porte. Hein. Donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un simulateur ou pas? Non, il n'y a plus personne. C'est tout ce qu'il fallait que je fasse là-haut. En fait, récupérer juste rien du tout. Eux, ils les ont mis juste pour décorer. Je suis sûr qu'ils vont nous les relâcher. Dans... Attends, la flèche, elle m'emmène là-bas en face. Donc c'est pas là, c'est en face que je dois aller. À l'intérieur de la boutique. Donc c'est cool ça. Bonjour. Au revoir. Toi, c'est bon. T'as été vite. Surpris de ma réactivité. Bon, bah, par contre, oh, le pneu, le voilà. Bah, c'était du rapide, hein. Bon, maintenant on explore librement. Non, non, non. Comment ça, non? Fusil à pompe. Non, non, non. Oh, ils sont chiens avec ça. Qui est-ce qui s'est caché dans la bouffe? En fait, il n'y a plus rien, vous voyez? C'est les mêmes zigotos qui sont là. Ouais, bon, bah, pas besoin d'aller chercher plus loin. Bon, on poursuit notre mission. Et les zombies, pour une fois, je vous emmerde. J'ai plus de problème avec vous. Oh, là-bas, il y a un jerrycam, puis un deuxième. Bon, Body, prends le fusil à pompe. Et vas-y, va chercher le bonheur. Ouais, c'est trop tentant, je suis désolé. Bah, merde. Bon, bah, visiblement, il n'y avait que ça. Il y a un zombie qui me court derrière, je le sens. Je le sens. Je sens sa respiration puante derrière moi. Le mec, il a paniqué pour rien. Bon, on va où? Eh, hey, mais sincèrement, tu sais même pas où tu dois y aller en plus, c'est ça le plus. Donc là, normalement, j'ai ce qu'il faut quand il faut. On passe encore par les rues. D'accord, niveau essence, bah comme par hasard j'aurais pu en plus ramasser tout à l'heure. Hein. Je crois qu'il en met presque au même endroit. Je vais me débarrasser de beaucoup de choses maintenant. Vous allez me dire, tu veux te débarrasser de quoi? Bah, des fusils qui me servent pas à grand chose, sachant que je vais utiliser au maximum l'arbalète. Donc, fusil, bah, on s'en fiche un peu. Hein. Donc j'ai deux portions. D'accord, ça c'est intéressant.
J'ai pas besoin d'autre chose, je dirais pour l'instant. On accepte la mission. Mais tiens, nous revoilà en fait. C'est au même coin, non mais attends. Faut que je fasse quoi là? Tu vois, en fait, ils te font revenir sur les pas. Ah oui, d'accord, les malins. Bon, on reprend l'arbalète, hein. Oh, ça va, franchement, c'est du papa cool là-dedans, là. Alors, une jerrycan d'essence. Ah oui, j'étais déjà sec. Ouais, ils en ont mis plein, hein. Hey, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merde, j'ai oublié que j'ai pas tiré dans la tête. Hey Joe, arrête. On va se calmer ou pas lui? Je suis sûr qu'ils en ont encore dispatché un peu partout. Mais j'ai pas besoin d'avoir plus finalement. Ah ouais, c'est gigantesque en fait là-dedans. Allons chercher bonheur. Voilà, comme ça on aura toujours. Et là, Daryl, il est bien. Hein. Niveau flèche, même dans la série, on n'avait pas autant. Vers la fin, oui, mais au début, non. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a encore à récupérer. Voilà. Simulateur. Il y a quelque chose dans la maison? Non. Bon, c'est bon, je pense. Hein. Il doit rester encore un ou deux jerrycans cachés quelque part. Trois zombies à tuer. Franchement, il n'y a rien de mieux que l'arbalète. Hein. Les armes, pas terribles. Là, il n'y a plus rien. Donc visiblement, en fait, on a déjà tout pris, je crois. Montrez-moi. Il reste un peu d'essence cherché sur la zone. Ouais, donc en fait, ils veulent que j'aille encore chercher de l'essence. Dans les wagons, peut-être. Sérieux, ils sont capables de tout, donc du coup, faut tout observer, faut tout regarder. Ou peut-être dans les restaurants, ou dans les parkings, ou je sais pas, moi. On va voir. En tout cas, on a bien nettoyé la zone, donc j'allume la torche. D'accord, lui sort direct. Je lui ai manqué dans l'autre ville en fait, il est venu me rejoindre. Trou. Merde, je l'ai mal visé. Oh, mais Body! Body, je sais que tu l'aimes, mais abuse pas. Elle m'a fait perdre une flèche. Elle est où ma flèche? Oh non! Elle a dû atterrir là, voilà. Je regarde rapidement s'il n'y en a pas d'autres phénomènes quelque part. Donc là, il n'y a même pas d'argent, quoi. C'est dommage, j'aurais voulu m'essuyer les fesses avec, mais non, je rigole. Mais il n'y a rien en fait dans ce magasin, donc du coup, ils m'ont fait venir vraiment pour rien ici. Ah. Donc c'est pas le bon endroit. Tout ça juste pour ramasser une flèche qui me sert pas à grand chose. Pas une flèche, mais. De toute façon, je pense qu'on peut y aller là. Ouais, on peut y aller, hein. C'est bon, on a tout, hein. Oh, il y a le méchant loup qui est là. Non, on peut y aller parce que j'ai l'icône qui s'est affichée. D'accord, ils te mettent une musique aussi effrayante, pourquoi? Pour personne. Partir. Allez, on poursuit. Franchement, moi, question de survivant, je prends personne avec moi. Je suis pas sympa. Faudra qu'on déplace la voiture maintenant. Inventaire, je regarde rapidement. Ouais, je préfère tout mettre là-bas de l'autre côté. Comme ça, on est vraiment tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Fusée de détresse, tu peux te la garder aussi. Allez, on lance la mission là.
Ah oui, pousse, 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 pousse. C'est bon, on peut repartir maintenant. C'est juste ça qu'il fallait que je fasse? Ouais. Ah, il y a des jerrycams là-bas. Soyons pas fous, allons-y. Au coup de couteau. C'est des jerrycams, ouais. Comme ça, on en aura plein. Ah ouais, bien, il y en a même 5. C'est ce qui... Oh là là, ils en ont mis partout. Merde! J'arriverai pas à m'en sortir. Oh, comment ils m'ont attrapé en 2 secondes? On va la faire différemment la prochaine fois. De toute façon, j'arriverai pas à survivre, je vous le dis d'avance. Hein. Ils sont trop nombreux. Mais trop en chaleur là en ce moment. Aïe aïe aïe! Pas bon signe. J'ai failli de l'avoir celui-là. Eh merde, il m'a bouffé. Il avait un peu faim. Donc je sais comment on va l'avoir. On va les avoir plutôt. Donc il y a énormément de ressources dans cette zone. Profitons-en. Profitons-en. Il voulait juste que je pose la voiture, mais il y a 2 voitures à pousser. Mais comment ça? Vous allez voir. Faites-moi confiance. Poussez la voiture pour dégazer le passage. Je suis même pas sûr si c'est même celle-là. Je dirais que c'est pas celle-là. Oh. Par contre, ah tiens, j'en ai même oublié un, vous voyez? Oh, regarde! Ah, à mon avis, ils veulent qu'on aille loin. Il faut bien regarder la zone, Body. Observe bien. Oh, il y a du Chocopops. Il y a la folle qui arrive. En fait, ils sont pas nombreux, sauf que c'est toi qui dois pas paniquer, Body. Regarde autour de toi. Voilà. Ah putain, il m'a fait flipper. Ma flèche, ma flèche. Eh merde, j'ai perdu ma flèche à cause de ce con. Derrière moi, il a réussi à me piconner celui-là. Putain, ils arrivent ou quoi? Comment ils font? Eh mais ils arrivent par des chemins en fait. J'ai jamais eu autant de jerrycans, je crois. Donc là, ils veulent qu'on aille vraiment quitter le jeu ou quoi? Regarde tous les trésors qu'il y a. Ah, ils sont bloqués par la voiture. Oh mais attends, on en a beaucoup beaucoup là. Profitons-en pour tous les tuer. Par contre, question de balles, ils sont assez radins. Hein. C'est tout ce qu'il y a? Ouais. Bon alors là on va bien rigoler parce que c'est ça qui veut qu'on pousse mais on est mort. Hein. Merde, faut qu'on les tue avant. J'ai combien de flèches? J'en ai pas beaucoup donc à moins d'être putain bien précis. Donc j'attends que eux ils passent, pardonnez-moi de ma vulgarité. Bon, comment bien viser? Montons. Merde, j'ai mal loupé. J'observe un peu ces phénomènes. Oh, mes flèches, il y en a une qui s'est barrée. Putain, c'est Daryl, t'as fabriqué quoi? T'as fabriqué un truc de dingue, hein? Voilà, je pense que c'est bon. Et là, tu peux pas passer, vous allez voir. Il va me mettre un sacré râteau. Retourner au véhicule. Bah voilà. Il suffisait juste de demander. Mais comment ils ont apparu les autres zombies là? On parlait combien qu'il en manque encore une? Non, j'ai cru qu'ils avaient caché un trésor quelque part. Ah ah. Tu as des cartouches ici, mais c'est tellement risqué. Salut! Ah, j'habite pas là, merde, c'est pas vrai. Aïe aïe aïe! On s'en va, hein. Et franchement, ça devient super hostile comme jeu. Allez, on poursuit. Allez, avec la carte. Moi, je continue. Là, franchement, question d'essence, je vais à fond. Autoroute, tout de suite. Je m'en fiche des ressources.
Think about the radio. It's the best thing to do. When I was 7, I wanted a dog in the worst way. But my dad has always had allergies real bad. One day, he came home with a brand new puppy and a grin ear to ear. Even though my dad hates needles, he got a shot every week for 14 years and never said one word. Daryl, I'm half the person he is, and he loves me twice as much as I deserve. You're not gonna evacuate, are you? He's my dad. What would you do in my place? Parfait, ça me plaît bien ça. Avant-terre, rangeons nos conneries dedans. C'est bien, en tout cas, j'aurai des ressources de l'autre côté au cas où j'en ai besoin. Ouais, essence, on va le mettre là-bas. Pas besoin de se trimballer avec autant d'essence. C'est bien, on lance la mission. See you around, Hillbilly. Abandonné. Oh, carrément, elle est partie avec le flic. Elle m'a trompé. Non, je taquine. De toute façon, j'étais pas amoureux d'elle, mais c'est pour vous dire que là, elle m'a bien abandonné avec. Avec tout ça. Ouais, d'accord. Vas-y, tout seul, là, fouille tes maisons. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, madre mia, il y a beaucoup de maisons là, fouillées. Hein. Merde, si je vise mal déjà. Ouais. Moi, je suis vraiment fort pour viser n'importe où. Je suis le premier dans tout ça. Ah, il y a quoi là-bas? Il y a un monsieur en costume cravate. Ouais, mais comme par hasard, il n'y a pas de porte pour le rejoindre. C'est quoi ce garage là? Regardez. C'est trop marrant là-bas au fond, regardez. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tais-toi. Tu ne m'as pas vu. Bon, il s'est barricadé, donc moi je passe par là. Ferme toujours la porte derrière toi. Je crois qu'il est pas tout seul. Oh, are you looking for the evacuation point? You're gonna have to come closer. Lost most of my hearing and we came up here to try and find our daughters Amy and Andrea, but my wife, well, you need to talk to Aiden. He's in charge of signaling the evac choppers. Know where the guy is? He and his wife live in the house across the way. But I don't know if he's there. Oh yes, there's a pharmacy in the shopping center. Can you please bring something to ease my wife's suffering? On va trouver maintenant la pharmacie pour pouvoir rétablir sa femme sur pied. Non, 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 t'as rien vu, c'est pas moi. Hein. Il faut aller. Mais il a rien dans sa maison, lui. Hein. Ouais, ouais. Pff, des bâtons, tu peux te les garder. Hein. Le truc, il sert à rien, quoi. Tu fais une diversion, ils sont déjà sur toi. Bon, voyons voir s'il y a Jacqueline. Jacqueline! Arrête de me harceler dans tous les gameplays que je fais. En plus, il y a ton mec qui va arriver dans pas longtemps me botter mon cul, donc du coup, reste à ta place. Mais pourquoi tu campes? Espèce de traînard, va. Bon, la pharmacie, elle est pas là. Donc, je suis la flèche. Hein. Ne vous en faites pas. Je la suis, mais pas tout de suite. Parce que j'ai caché un truc dans la niche de mon chien. Tu vois, je suis pas loin de la pharmacie, hein, directement. Voilà. On va récupérer tout ce qu'il faut. C'est bien, tu tires mieux en mieux. Bien. Bien, trois flèches gaspillées. Je suis en plus, j'en ai perdu une flèche. Merde. La pharmacie, je crois qu'elle est là.
Merde, à chaque fois je tire mal. C'est pas évident de les viser, ils bougent beaucoup, hein. You're coming, Andy. Ok, ils ont tout démoli en plus. Une nouvelle voiture, non, même pas. Putain, il y a tout le temps 100 mecs avec elle, quoi. Non, mais attends, au bout d'un moment, je rêve, quoi. Ça va, hein, faut vous détendre. T'es vivant, toi, je te tue. Imagine, ils mettent les clés pour la première fois sur le contact directement. Heureusement, finalement, que je me suis bien aventuré dans la maison en train de tout fouiller. Donc là, je vois que c'est un bug, donc du coup, on pourra pas passer. Ils sont pas fous. Et c'est parti pour un peu plus d'hostilité. Ah, les flèches, des fois, t'as l'impression qu'elles passent tout simplement à côté. Et le mec, il est fort, hein. Regarde, regarde. Il survit à toutes mes flèches. Non, attends, c'est John Wayne, lui. Ah, il m'a fait gaspiller 6 flèches. Bon, pharmacie, t'es où? Elle est pas là. Hein. Là non plus. Oh mais merde, aujourd'hui je vise vraiment mal ou c'est eux qui se tournent de plus en plus comme ça? 3 flèches. Putain, je vais perdre toutes mes flèches si je tire comme un gros guignol. Fais plus de bruit, hein. Donc j'ai une hache, mais je peux pas la prendre. Pourquoi? Parce que... lourd, longue, longue. Attends, on va voir un peu. Je vais déposer. Alors là, j'ai la quoi de particulier. Ah ouais, léger, court. Ouais, c'est pas mal ça. Donc la masse, c'était bien, mais c'est fini pour la masse. Merde, j'ai perdu une flèche. Elle est où? Voilà, j'ai perdu une flèche. Je la tire un peu trop loin, c'est là. Oh, et puis merde, c'est pas grave, tant que j'en ai encore. C'est pas grave. La pharmacie, elle est là en fait. Did Aiden send you? No, I'm looking for him now. Oh, une femme à lunettes, qu'est-ce qu'elle est gentille, celle-là. Non, je rigole. You need to find my husband Aiden, so he can signal the helicopters and we can all get out of here. He went to the mechanic shop. Nothing's ever easy. Elle est gentille. Ouais, maintenant faut que je trouve maintenant sa copine. Ouais, ils mettent jamais de fusil à pompe ou une arme super lourde dans la baignoire ou quoi que ce soit. Ils sont pas sympas, hein. Ok, je viens de comprendre où je dois aller, moi. Bon, c'est pièce ici. Merci pour la jolie crampe. Ah, oh, des Choco Pops. J'avais envie de casser un peu les crampes là. En fait, vous voyez bien, c'est la nouvelle génération des crampes là qui va sortir dans bientôt en France, quoi. Indestructible. Tu mets une flèche, ça se répare tout, ça se répare tout seul. Bon, ils sont quand même nombreux. On passe par où nous? Par là, ouais, par là. À moins de bien les dégommer. Hein. C'est ça, Jacqueline, elle est encore derrière moi. Mais fais chier, là. Je cours. Bon, là, cette fois-ci, je prends aussi un fusil à pompe puissant. Merde, un fusil à pompe, ouais. Oh, 15 balles. Eh oui, c'est fini, Body. Il est plus maintenant pacifique. Il a envie de faire des conneries.
Eh mais c'est quoi cette carte? Elle est gigantesque, hein. Faut qu'il se calme, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui va me picousser les fesses dans pas longtemps. C'est cette porte-là, la bleue body. Je la sens bien, la bleue. Je la sens bien. Elle est verrouillée. Va-t'en là. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Non, c'était passé là. Eh ben, dis donc. Il va se réveiller, Jean-Pierre. Oh non. Voilà la pharmacie, je crois bien qu'elle est là. Ils m'ont pas vu. On a un fusil à pompe pas trop loin. Là, on a une belle arme, donc j'aurai pas de place à mon avis. Putain, c'est pas vrai. Faut que je jette une arme qui va pas me servir à grand chose. J'ai quoi en fait à truc? Ouais, j'ai vraiment ce qu'il faut pour une fois. Fusil à pompe, est-ce que t'as le fusil à pompe déjà avec toi ou pas? Bah, j'ai des armes de fusil à pompe qui servent pas à grand chose. Bon, maintenant que t'as le fusil à pompe, prends-le. 20 balles quand même. Hein. Ça veut dire qu'on aura vraiment des sacrés problèmes après par la suite. C'est bien deux têtes. Cool. Non mais faut arrêter de simuler, hein. En tout cas, ça va, je suis bien là. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est pas vrai, ils veulent partout Ah, j'aurais pu leur parler de la France. Ils veulent à chaque fois qu'on a des survivants qui sont présents partout. On dit choco-pops obligatoire. Non, 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 pas ça, t'es fou! Ça, faut le garder en dernier recours. Non, bah, encore moins le coup de couteau. Bon, vas-y, monte. Bonjour, monsieur. Oh, oh, tu me plais bien, toi. Qui est là ou là? On va lui parler. How do I get out of here? Okay, alright. You need to get a bag I dropped in the mechanic shop. It has smoke pods to signal the FEMA choppers. These things? Yeah, okay. You go back. Get my wife and Harrison. Once we light those smokers, we have 90 seconds to pick up. I'll update you on the radio. Let's light them up then. The sooner I'm out of here, the better. Bah, c'est cool ça. Come on, go. Bon, on va jeter un truc qui me sert à rien. Tu vas dire, mais c'est quoi que tu veux jeter finalement? Bah, j'en sais rien. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui prennent de la place pour rien. Pistolet déposé. Comme ça, on prend le fusil. On va déposer. Dommage que tu peux pas lancer ce couteau qui te sert strictement à rien, quoi. Fusil à pompe, t'es fou. Bon, je vais jeter une flèche, hein, en attendant. Histoire de recharger mon arme. De toute façon, c'est un coup, pas un coup. Voilà, vous voyez, là, je peux... Et on va se retrouver pour la suite. Et oui, à tout à l'heure. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Je voulais un dog dans le worst way. Ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement. One day, he came home with a brand new puppy. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Even though my dad hates needles, ça permettra de tout simplement trouver pas mal de choses intéressantes dessus. Every week for 14 years and never said one word. À bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.